Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui enfin de retour pour un nouvel épisode de MCO Park sur le parc d'attractions Tiki Land. Bien évidemment je suis en compagnie de BX Snow, bonsoir. Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va nickel, tu es chez toi là. T'es en facecam? Je suis en facecam. La surprise. Ah oui, c'était aussi furtif que bref. Hein. Comment ça va là? Écoute, ça va nickel. On est très très bien les amis, là vous vous dites mais qu'est-ce que ces conneries là? On tente des trucs. On tente. Alors les amis, vous le savez, les épisodes d'Emco Park c'est pas très régulier, c'est pas tout ça. Et franchement je vous l'ai déjà dit, moi j'ai fait presque tout mon taf sur le parc, j'ai presque plus grand chose à faire, tout ce qui reste c'est tout ce qui est comblage, décoration, tous les trucs quand même nécessaires mais que je ne sais pas faire. Et évidemment du coup c'est sur les épaules de BX Snow que toutes les responsabilités... Reposent en fait. Exactement, que tout repose, voilà finalement. Super. Harceler BX Snow de vraiment partout. Vraiment la pression quoi. La pression, c'est la pression sociale. donc voilà, et du coup elle a fait pas mal de petites choses en off. Moi aussi du coup d'ailleurs, bon je vous montrerai mais c'est tout con. Enfin vraiment rien à voir avec tout ce qu'elle a fait. En tout cas voilà, aujourd'hui c'est un épisode où on va vous montrer ce qui a été fait en off par Marion. Voilà. C'est moi. Donc je vais te follow. Est-ce que tu précises juste qu'il y a une partie qui a été montrée en live déjà? Ah oui, c'est vrai, petite promo pour mon Twitch, hein, les amis, hein, MColo Off sur Twitch si vous voulez me suivre. Voilà, il n'y a pas de souci, on a fait un live, c'était quand? C'était avant-hier, si je me trompe pas. Oui, mais attends, avant-hier, donc, mais c'était quel jour? C'était jeudi, donc le jeudi de la semaine d'avant, le moment où cette vidéo sortira, on était en live et on a un peu montré ce qui a été fait en off. Et donc aujourd'hui, on en fait un épisode exprès. Pour l'occasion, voilà. Exactement. Et merci d'avoir été présente sur ce live, parce qu'on a fait une annonce. On va pas en dire plus non plus. Mais nous allons être enceintes tous les deux. Non, pas du tout. Ah, voilà. Pas du tout. Non, on a fait une annonce par rapport à YouTube. Et ça risque d'être une dinguerie. Vas-y, je te follow. Une dinguerie. Bon, et d'ailleurs, juste là... Ici, là où il n'y a rien, on fera aussi quelque chose, hein, vous inquiétez pas. Hein, ici, ouais, ben, comme dit, de toute façon, en fait, là, tout ce qui nous reste à faire, surtout, c'est du, entre guillemets, du comblage et de la décoration, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, juste des petits trucs, c'est des petits détails. Hein, on a terminé, enfin, j'ai terminé les ponts qui passent par-dessus la rivière où on pourra se promener en petite barque. Exactement. Du coup, il y a celui-ci, dont je suis pas trop fan, mais Nicolas, il dit ça va. Oui, parce que je vous explique, j'aimerais du coup le dire en vidéo. J'ai l'impression de me répéter parce que je l'ai dit dans le live, mais du coup, voilà, c'est une vidéo, donc vous êtes nombreux à la découvrir. Mais en fait, bon, déjà, c'est le pont le plus reculé du parc. Hein. Là, on est vraiment au fond du parc, près du front de mer. Mais même dans tous les cas, vous savez très... Enfin, je veux dire... Je sais pas pourquoi il y a eu cette pression de devoir faire... Parce qu'en fait, tous les autres ponts qu'elle a fait, si on remonte celui-là que vous connaissez, qui est très sympa, on dirait une tortue, ce que je disais, mais elle a fait d'autres ponts là-bas. Bon, bref, attendez, on va quand même aller regarder vite fait pour refaire un point, parce que c'est toujours assez sympa, mais elle a fait des ponts, genre voilà, ce pont-là, il est super mignon, ce pont-là, il est super mignon aussi. Et du coup, je sais pas, du coup, t'avais la pression de devoir faire des ponts tout stylés, alors qu'en fait, genre, un pont, c'est fait pour traverser de l'eau. Et quand tu vas à Europa Park et que tu vois la gueule de certains ponts, bon, bah voilà, donc en fait c'est super, tu vois. Genre en vrai c'est bien, c'est vrai. Voilà. Si tu veux, tu peux te taper. Ah bah c'est là. Je suis là. Donc ça, c'est un deuxième pont que j'ai fait classique, quoi. Classique, mais très bien. Voilà, on a rajouté quelques petites lanternes. Ensuite, on arrive au pont de la tortue. Au pont de la tortue. Voilà. Et on arrive ici. Ah oui, c'est vrai. Où il y a eu quelques petits changements déjà là le long de la rivière. Alors, c'est vraiment un petit détail, j'ai rajouté un peu des herbes hautes avec des fleurs quoi. Ici j'ai terminé la forme du chemin et j'ai planté encore des arbres, des bambous, enfin voilà. Ça y est, là ça commence à prendre vie par là quoi. Là tout autour de l'attraction des mines, je sais pas où tu es. Je suis avec toi. Ok, tout autour de l'attraction des mines en fait j'ai rajouté des arbres que j'ai planté, cette phrase, mais... T'as planté des arbres. Voilà. Des bambous, j'ai fait pousser des fleurs aussi, pareil, j'ai rajouté des petites lianes, et... On n'avait pas encore montré qu'il y avait l'eau, non? Je sais plus du tout. Je sais plus du tout, mais ça fait depuis très longtemps maintenant, les amis, qu'on a mis ça. Oh, il y a des poissons qui ont spawn! Ah ouais? Incroyable. Bon, bref. Trop bien. C'est un détail, hein. Et voilà pour l'attraction autour des mines. Parce qu'avant c'était vierge.
Ouais, c'est ça, il n'y avait rien du tout. Ici, pareil, j'ai remodelé un peu le chemin. Et j'en ai fait un peu une place avec du coup un petit bar champignon comme ça. Donc en gros, c'est on peut acheter des champignons et de la drogue hallucinogène, etc. Exactement. Et j'ai fait une petite estrade pour pouvoir voir les gens qui terminent l'attraction là. J'ai fait la petite sortie de l'attraction avec les petites trappes d'or. Le Mycosis hein, qui s'appelle. C'est ça. Et l'entrée, elle est ici du coup. Et ça fait plaisir parce que du coup à la base là donc c'était pour le moment enfin de toute façon c'est pas fini. Si ? Où ça ? Là ici là. Est-ce qu'on laisse tout en rouge ici là du coup ? Ben je sais pas encore, pour l'instant ça me va mais je sais pas encore si je vais laisser en rouge ou pas. En vrai ça va mais du coup genre vraiment avant du coup quand moi j'avais fait ça, j'arrivais pas à comprendre ce que je voulais à la base. Genre je savais pas, du coup c'était tout un truc rouge, je savais que là je voulais qu'on puisse voir les gens. Sauf que là, je me disais, mais attends, mais les limites de la map, ça fait trop bizarre et tout, machin, je sais pas comment faire. Et bah du coup, elle a réussi à carrément faire un truc sympa. C'est toi là qui a mis les barrières ou c'était moi là ? Il y en avait déjà quelques... Non, les barrières là, ouais, elles y étaient déjà. Ah voilà, donc c'était moi ça. Et toi, voilà, tu vois, donc moi j'ai mis les barrières et j'étais en mode, mais ça fait... c'est trop con de ici on peut aller là et on pourrait sauter sur les barrières et puis là, on se casse, il n'y a plus rien, c'est trop bizarre. Et du coup, bah t'as comblé comme il fallait en fait et... Et c'est cool. Et attends, on dirait une déclaration ce que je suis en train de faire, c'est trop chelou. C'est gentil ça. Ouais. ici là, il y a un petit coin d'herbe. En vrai, je me suis dit on pourra faire un petit truc pareil. Alors, je dirais pas une aire de jeu, mais un genre un petit coin tranquille. J'essaye de pas trop spoil ce qu'on voit un peu là. Dans l'herbe quoi. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Et pourquoi pas pouvoir embarquer ici sur des petites barques pour aller sur l'eau. Ouais. Parce qu'il y a de la place pour faire ça. Ensuite, l'attraction juste à côté du Mycosis avec les fleurs. J'ai modifié quelques fleurs, j'ai enlevé un peu de rose et de rouge pour mettre un peu plus de bleu parce que je trouvais que ça faisait trop chargé. Ici, j'ai recouvert cette partie de terre parce que ça faisait un gros bloc pareil comme ça, multicolore, et du coup, pour un peu décharger l'environnement, quoi. J'ai rajouté de la terre. Nicolas, il a fait un zizi. Alors ça, c'est sa grande fierté. Oh, le petit soupir derrière. Et j'ai un peu modifié le sol. J'ai fait un mélange avec un peu de gravier et un peu de sable. Et puis j'ai rajouté quelques fleurs, des herbes hautes, quoi. C'est pas encore terminé. Il faudra encore rajouter quelques fleurs, mais voilà. Il y a un truc que t'as pas encore montré ici. Et l'abeille. Bah ouais. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Carrément. Là, j'ai fait un petit modèle d'abeille. On en mettra 4 ou 5 comme ça au-dessus de l'attraction en mode ballon, enfin je sais pas comment dire, ouais genre gros ballon quoi. Ah oui c'est ça, parce qu'on avait soit le choix que, parce que vous savez qu'à la base on voulait faire un, enfin l'idée du parc c'est qu'il soit le plus possible entre guillemets réaliste, disons RP, alors forcément dans le quartier fusion il y a des trucs un peu waouh et tout, mais on essaie de rester dans la logique. Et du coup, quand je voyais l'abeille, j'étais en mode, bah ouais, mais l'abeille, elle peut pas voler, genre ça n'existe pas des blocs qui volent, tu vois. Donc à la base, je voulais qu'on fasse à la limite des poteaux, des piliers. Bon là, j'ai pris un peu creuse, on s'en fout. Ou alors à la limite, tu vois, c'est on peut les poser sur des fleurs, parce que les fleurs aussi, tu vois, elles sont construites voilà. D'une certaine manière. Comme ça, ça fait genre c'est des abeilles qui butinent, quoi. On peut très bien faire ça. Mais bah du coup, sinon, ton idée, c'était qu'en gros, ce soit des gros ballons et ouais. Que du coup, on peut leur mettre une sorte de ficelle. Enfin. Voilà, c'est des chaînes, c'est un peu bizarre. Bon, finalement, je préfère l'idée quand même de la mettre sur une fleur. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est ce qui passe le mieux. Je suis carrément d'accord. Parce que du coup, elle est posée. Mais putain, j'arrive pas à refaire ce que t'as fait, j'ai cassé. Parce que j'avais mis une barrière pour faire tenir le... Ah, un bloc invisible, ok, ouais. D'accord. Ah, oh, mais c'est pas réaliste, ça. Mais j'avais pas trouvé d'autres moyens pour mettre comme ça. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Ensuite, l'attraction juste à côté, c'est le Future End. Alors, le seul truc qui me chafouine un peu, c'est la transition entre les deux attractions. C'est le seul truc qui me dérange un peu. Entre le Fusion et le Future End, là, les deux ? Ouais. Bah non. Eh, hey, mais Boubi, c'est un parc d'attractions, il y a plusieurs univers ouais, qui se mélangent. Je sais, mais voilà. Parce que ça, ce n'est pas naturel. Ça a été construit en maquette. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Vas-y, donc je suis là. Voilà, je vais voir pour rajouter quelques genres de maisons comme dans les End City
pour pas qu'on ait juste des chorus. Ouais. Mais il faudra que je réfléchisse, que je fasse ça, quoi, pour changer. Je suis désolé, les gars, ma chaise est pas confortable, hein, je bouge dans tous les sens, mais j'ai laissé à Marion ma chaise bien, donc voilà. Merci. C'est horrible. Et du coup, on arrive à la une grosse construction aussi que j'ai fait. Incroyable. Faite, pardon. C'est une tête d'Ender Dragon pour ceux qui l'avaient pas remarqué. Mais non, je croyais que c'était des cratères et tout pour faire le champ de bataille un peu et le portail de l'End. Incroyable. Et bien sûr, on a mis des blocs invisibles autour, même si c'est pas réaliste, mais pour pas tomber dedans. Voilà, on va éviter quand même. Donc voilà, ça c'est stylé de ouf. Et l'intérieur de la bouche, c'est des petits détails. Voilà. C'est un peu éclairé. C'est ça. C'est magnifique. Et voilà. C'est génial. Ok. Ok. Et là, dernière construction qui n'est pas terminée. J'ai essayé de faire un genre de temple, un peu comme ça. Que par contre, je pense qu'on va le reculer. On avait parlé vite fait, mais du coup, on va un peu le reculer. Et je vais rajouter par contre des arbres autour pour le camoufler un peu mieux dans la jungle, quoi. Ouais, genre en gros, le mettre à la place des... Merde, à la place là, ici, là. Ouais, c'est ça. Carrément. Je le verrai bien ici. Ça permettra de mieux combler l'espace aussi. Mm-hmm. Carrément. Carrément. T'as fait quoi à l'intérieur? J'ai pas encore exploré. Bah, j'ai encore rien fait. J'ai juste fait comme ça autour. Pour descendre. Et les gens, ils pourront y aller ou c'est juste décoratif? Ben, ça, je sais pas encore. J'avoue, j'y ai pas réfléchi. Donc, c'est pour ça que je peux aller plus loin par rapport aux escaliers qui descendent. En vrai, il faudrait que ce soit décoratif. Ouais. Parce que sinon, on s'attend trop à ce que ce soit une attraction et en fait, ça en est pas une. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, carrément. Ok. Ah, bah, c'est tout? Bah, écoute, c'est vrai. On a tout montré. Hein. C'est vrai, on a déjà tout montré. On a fait ça vite. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ben voilà, pause bleue, salut. Non, mais du coup, voilà. Et puis alors moi, ce que j'ai fait, le seul truc que j'ai vraiment fait, du coup, c'est j'ai juste fini l'attraction qui fait le tour du parc. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le truc que personne ne fera, mais voilà, ce rail bleu qui fait le tour de la map. Je suis en spectateur, hein, donc okay. C'est pour ça. Et voilà, ça fait le tour de la map. C'est incroyable. J'ai mis voilà, c'est tout. C'est vraiment c'est tout. C'est incroyable. C'est tout. En vrai. On voulait le faire, mais c'est vrai que c'est pas non plus un truc de ouf. Hein. De? Bah, je sais pas, l'idée est pas folle. Monsieur? Enfin, si, du coup, visuellement, quoi. Ouais. Mais en vrai, jamais de la vie, on le fera, quoi. Mais après, c'est pas grave, c'est pour le RP, n'est-ce pas? Mais carrément. Et voilà, après, on arrive là. Enfin, c'est pas fini, du coup, hein, regardez. Ah? Oui, non, y a pas de sécurité, y a rien. Par contre, y a encore un beacon au niveau de la citrouille, là. Faudra peut-être l'enlever, le beacon, là. Ah ouais? Bah ouais, je sais pas comment ça se fait qu'il y a un beacon. Mmh. On les avait enlevés. Ok. Je m'en souvenais même plus. Yes, merci. Bah voilà. Bah écoute, on a fait le tour des nouveautés quand même. Hein. On a fait le tour des nouveautés. Donc là, les amis, à l'entrée du parc, on a toujours évidemment cette idée, ce plan de... Je dis on, mais bon. Faudra que j'essaye quand même, mais ici, là où je suis, de faire un hôtel. Mmh. Voilà. Ça peut être très très sympa. Mmh. Et si je suis motivé, je referai du coup, parce que maintenant que j'ai un peu plus de recul... Je referai la tour infernale, donc refaire les command blocks, etc. Genre, tout recommencer à zéro. Si je suis motivé, je le ferai. Si, il est motivé. Ouais. Et puis voilà, quoi. En vrai, après, le manoir hanté, il me semble qu'il était fini. Je suis plus sûr. Enfin, en vrai, il est fini. Bon, bah, il y a des détails qu'il n'y a pas encore. Mais bon, après, ça reste à voir. En vrai, ouais, moi, il... Voilà, en fait, il n'y a plus que la déco, quoi. Mmh. Tout ce qui est système de rail, en vrai, la majorité, tout est bon, quoi. Je vois. Mais ce qu'on fera, les amis, du coup, comme promis, on refera un point sur les attractions, on les refera en vidéo. Mmh. On les chronométrera et voilà, tout ça, quoi. Ouais. Par contre, cet endroit-là, il est incroyable. Là, j'ai envie qu'on fasse une survie ici. Lequel? Bah, là. T'es où? Je sais pas où t'es. Ah, t'es là. On joue au cache-cache. Ici, ça donne trop envie de faire une survie, là. Oh merde, j'ai cassé une lampe. Ça donne trop envie de commencer la série de l'été, là. Quoi? Hein? Hein, quoi? Quoi? Hein? Ok, on a rien entendu. Bon, bah voilà, et bah c'est carré, hein. Le pire jeu d'acteur. Ouais, j'avoue. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était juste un petit point, nouveau, un petit débrief de nouveau sur le parc. On remercie encore une fois OMG Serve pour leur serveur, comme d'habitude. N'hésitez pas à passer par le lien en description si vous voulez vous renseigner, si vous voulez acheter, commander un serveur, que ce soit Minecraft ou n'importe quel autre serveur
que OMG Serve propose. Si vous passez par le lien, ça me permet, ça leur permet de voir que ah, c'est grâce à moi que vous connaissez OMG. Enfin, comment dire, que la communauté d'Emcolo kiffe OMG Serve aussi, et du coup, bah, ça nous permet de continuer ce partenariat, cette collaboration, et donc pouvoir continuer à vous proposer, puis à faire ce parc tout simplement, et éventuellement faire une série de l'été. 5% aussi de réduction sur la boutique OMG Serve avec le code Emcolo. Voilà, sachez que ça ne me rapporte absolument rien, à part justement le lien affilié qui permet tout simplement de faire hey, on vient de chez Emcolo. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Allez voir la chaîne totalement inactive de BXNO. Arrête. Elle reviendra cet été. Clin d'œil. Putain, on a fait 3 teasings là. Enfin, on a fait le même teasing, mais 3 fois dans la même minute presque. N'importe quoi. Eh bah écoutez, c'était Emcolo et BXNO. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao.